la chance d'avoir un magasin juste derrière le palais de Kensington, donc où elle passait régulièrement pour faire ses courses. Donc je pense qu'elle avait certainement repéré du coin de l'œil la boutique avant d'être enceinte. Après, en Angleterre, on est une marque très connue. La combinaison, je pense que c'est pour ça qu'elle a fait appel à notre marque pour s'habiller. Elle nous avait appelé, on lui avait envoyé des catalogues et après, on l'a séduite avec nos designs, donc c'était parfait. Alors ça, c'était vraiment une très très belle surprise pour nous, puisqu'en fait, on ne savait pas que cette photo allait être la photo officielle de famille. Et on l'a découverte quelques heures avant qu'elle soit imprimée dans les médias du monde entier, un peu par une fuite journalistique. Un journaliste m'a appelé et m'a dit « mais c'est pas ta robe sur cette photo ?» Et là, j'ai dit « bah si, on dirait que c'est bien notre robe ». Et donc, c'était un effet de surprise extraordinaire. On a eu quelques heures pour se préparer puisque... comme dans tous les cas où Kate porte une robe et que ça passe dans les médias, il y a une quantité de trafic sur le site, etc. Donc on a travaillé toute la nuit pour pouvoir recevoir tout ce trafic de gens qui voulaient voir d'où venait la robe et la marque et acheter la même surtout. Et donc ça a été fantastique pour nous. En fait, ça a fait connaître la marque dans des pays comme les États-Unis, le Japon, qui étaient des pays où on avait moins de communication, on était moins développé, et ça a été le départ de l'ouverture de ces marchés de manière très très rapide. Donc c'était fantastique pour Séraphine. Alors je pense que pour moi il y a deux Kate. Il y a la Kate officielle qui s'habille avec tous les protocoles royaux et souvent des habits sur mesure, et puis la Kate plus dans sa vie privée où elle aime bien montrer ses formes, elle aime bien cultiver un petit côté sexy. Et je pense que dans cette deuxième grossesse, bon, déjà on l'a vu la semaine dernière avec quelques tenues quand même plus sexy que d'habitude, je pense qu'elle va profiter plus de ses rondeurs, de sa nouvelle silhouette. La deuxième grossesse, on l'apprécie plus d'une certaine manière que la première. On a beaucoup d'anxiété, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc je pense qu'on va la voir dans de très jolies tenues qui la mettent en valeur. Elle a une silhouette magnifique de mannequin. Donc elle peut se faire plaisir dans de très jolies tenues.